Deux demandes d'audience au palais de la Marina sans suite. Les demandeurs, la conférence épiscopale du Bénin, les évêques du Bénin, qui dans la crise sociopolitique que nous connaissons depuis l'avant et l'après législative du 28 avril 2019, se sont proposés en médiateurs. Ils ont fini, peut-on dire, de faire le tour des différents protagonistes et avaient souhaité rencontrer le président de la République pour compte rendu de leur démarche. Deux demandes d'audience, disais-je, sans suite. Dimanche dernier, alors que les fidèles chrétiens catholiques étaient en pèlerinage à Notre-Dame d'Aribo de Dassazoumé, les évêques, en tout cas, ont eu à parler de cette trêve qu'ils entendent observer et ont invité les Béninois à prier pour le pays. J'ai demandé en intro à Alphonse Moïse Soulé si ce silence de Patrice Talon, peut être interprété comme une indifférence ou un problème de disponibilité qu'on sait qui manque, la disponibilité qui manque souvent au président de la République. Vous savez, dès que vous avez annoncé le thème de l'émission, j'ai essayé de fouiller un peu. Non, le clergé catholique a perdu sa confiance auprès du chef de l'État. Parce que quand vous suivez un peu pro-rupture, vous diront que l'Église catholique, le clergé catholique, et au-delà du clergé catholique, les religieux, les protestants, quand je dis protestants, presbytériens, évangéliques, tout, ont pris parti. Désormais, ils ne peuvent plus jouer le rôle de médiateur. On reprocherait à l'Église catholique de soutenir des hommes forcément qui ne parlent pas le même langage. On est même jusqu'à aller dire l'Église catholique a ouvert ses portes à quelqu'un à 23h30 pour faire une méditation de grâce. Vous me rappelez Roger Gbeyomi sur nos plateaux. Tout à fait, je l'ai écouté tout le temps. Et d'autres reprochent aux églises protestantes d'être dans les arcanes du pouvoir. Par conséquent, sont mal placés pour jouer à la médiation. Et là, ce disant, il donne raison à Vigile Avancée pour dire qu'il faut une personnalité au-delà des religieux. Parce qu'on leur reproche, de prendre parti. Et quand vous prenez parti, vous savez bien de quoi je parle, le président Patrice Talon ne sera pas certainement ouvert à discuter avec le clergé parce que dans son entourage, on dit qu'il y a des hommes politiques qui font certainement le bonheur de l'Église catholique, qui assistent, disons les choses clairement, financièrement, l'Église catholique, dont par conséquent, il y aura un manque d'objectivité. Donc par conséquent, le chef de l'État ne se voit pas en position de se confier à des personnes qui auraient déjà pris parti pour un camp. Donc pour vous, le silence est à prendre comme de l'indifférence. Oui, c'est-à-dire qu'on n'en veut pas. Quelqu'un m'a même dit aujourd'hui, qui c'est qui a invité l'Église catholique à faire de la médiation? Si ce n'est pas elle-même, on n'a pas besoin d'elle parce qu'elle a déjà pris parti. Et on a vu dans le communiqué de l'Église catholique, quand on a demandé de laisser rentrer les exilés, tous ceux qui ont lu et commenté ce communiqué ont dirigé leur regard vers une seule personne. Parlant de Sébastien Ajavon, on dit que l'Église catholique plaide pour son cas, et par conséquent, et vous savez les inimitiés qui entre les deux hommes, par conséquent, cette Église ne peut plus jouer à la médiation. Merci Laurence. Alphonse Moïse Soulé pense que l'Église catholique aurait brûlé ses cartes de crédibilité, pour ainsi dire, qui lui fait dire que ce silence, en tout cas, ce sans-suite, dirige, des demandes d'audience du clergé de la conférence épiscopale du Bénin, est à prendre pour de l'indifférence. Je n'ai pas exactement la même lecture que Alphonse. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, le chef de l'État ne veut pas de ce dialogue-là. Et quand vous voyez le clergé catholique tel que les choses sont conduites, il n'a rien à faire. Ce dialogue n'aboutirait pas, n'est-ce pas, au dialogue tel que le chef de l'État le veut. Le chef de l'État, il a dit, et j'ai dit plusieurs fois déjà, que sa sortie, n'est-ce pas, du 15 juillet dernier, notamment en rencontrant certains partis politiques, notamment ceux de l'opposition, c'était une réponse à cette médiation-là de clergé catholique. C'était une réponse, et c'est le clergé qui a compris. 4 jours plus tard,
il envoie donc une lettre de relance pour cette audience-là. Et en réponse, oui, vous avez parlé d'indifférence, mais je parle même d'indifférence méprisante de la présence de la République, du chef de l'État, à l'endroit du clergé catholique. Parce que, regardez, ce dialogue-là, tel que le clergé l'a commencé, disons, s'il devait avoir vraiment dialogue, comme je l'ai dit, il n'y a pas de dialogue qui ne remettrait pas en cause aujourd'hui les avances du pouvoir. Dites-moi, est-ce qu'il y a un an, c'était donné que le chef de l'État pouvait aller donc avec son groupe de députés et pouvoir réunir 83 députés sur 83? Ce n'était pas du tout donné. Est-ce que c'était donné que le chef de l'État va avoir le vent en poupe ainsi et puis vous allez voir certaines figures qui pourraient menacer pour 2021, la présidentielle de 2021, être aujourd'hui à l'extérieur? Il a tout joué et tout lui a réussi. Juste là, du moins, croirait-il, parce qu'en politique, ce n'est jamais définitivement acquis. La preuve, vous allez voir, le pouvoir aujourd'hui est tombé dans son propre piège. À travers la liste électorale aujourd'hui, qui est née pour être contestée. Il n'a rien à faire, j'ai dit, les 9 députés plus les 2 autres fonctionnaires, donc les 11 membres du COSTEPI, peuvent même aller chercher le bon Dieu, céder du bon Dieu pour prendre le meilleur, ou du moins la meilleure liste électorale, elle sera contestée. Elle sera contestée. Donc, l'opposition, sans doute, ne restera pas bras croisés ou... Si au meilleur des cas, elle reste bras croisés, tout le monde restait bras croisés. Vous allez voir, ça va être le même boycott que le 28 avril à ces dernières législatives. Donc moi, je pense que ce n'est pas que l'Église catholique a perdu toute sa crédibilité. Non, parce qu'on n'a pas entendu le chef de l'État se prononcer. C'est vrai. On a entendu certains acteurs du pouvoir dire tout le mal qu'ils pensent du clergé catholique. Pour moi, c'était déjà des renseignements, n'est-ce pas, de ce que pense le camp présidentiel, notamment le chef de l'État. Donc, vous comprenez que c'est pour des raisons stratégiques que le camp du pouvoir ne voudrait pas de ce dialogue-là aujourd'hui. Et il n'a pas meilleure réponse, n'est-ce pas, que... ce qui est donné aujourd'hui. Là, je ne sais pas, il y a un journal en ligne qui a produit un article aujourd'hui pour renseigner, n'est-ce pas, de la réponse de la présidence de la République sur ces deux courriers sans suite-là. Selon quoi, que c'est un problème d'agenda du président de la République? C'est un problème d'agenda du président de la République. Vous voyez, c'est tellement banal, quoi. C'est un fait divers. C'est comme si moi, j'écrivais aussi, je cherchais à rencontrer le chef de l'État. C'est au même chapitre que l'initiative du clergé catholique. Donc, pour moi, la réponse est très claire. Mais si on observe très bien, tôt ou tard, on finira par aller à ce dialogue-là parce qu'il n'est pas certain. Oui, il a un calme aujourd'hui, à part FCBE qui est monté au créneau. Il a un calme aujourd'hui par rapport à cette liste électorale. Mais ça va faire jaser, ça va faire beaucoup de bruit, de mon point de vue. Parce que je ne vois pas qui pourrait accepter ça, même de l'extérieur. Les gens ne n'admettraient pas ça, même de l'extérieur. Joël Tchoubé, une conférence épiscopale qu'on a vue jusqu'ici prend le devant des choses. Intervenir sur la situation, les situations sociopolitiques que le Bénin traverse, qui est intervenu récemment, avant la crise, pendant la crise, une sortie, et puis après la crise, pas après la crise, après les élections du 28 avril, se propose un médiateur pour réconcilier les partis qui ne s'entendent pas aujourd'hui, qui adressent deux demandes au président de la République, et qui est toujours dans l'attente de recevoir. Contrairement à la tradition, quand on sait que les évêques, souvent, quand ils frappent au port du palais de la Marina, le plus tôt possible, on leur ouvre ces portes-là. Est-ce que pour vous aussi, c'est une indifférence, un signe d'indifférence que le palais envoie? Je voudrais commencer par rappeler que dans une démocratie, encore une fois moderne, il y a au moins trois types d'espaces qu'il faut serrer. Il y a d'abord l'espace de la démocratie ordinaire. Là, vous voyez donc les simples citoyens qui s'expriment, qui participent donc à la vie de la nation. Vous avez donc l'espace de la démocratie politique. Nous voyons donc
en première ligne, les acteurs politiques qui assument leur statut, et puis vous avez l'espace de la démocratie civile. C'est à ce niveau que les religieux sont logés et frappés donc du sceau de la neutralité. Et quand c'est comme ça, l'Église catholique qui, en principe au départ, devrait donc effectivement jouer sur cette fibre de neutralité pour organiser le dialogue qu'elle, même en tant qu'Église, a voulu. A priori, on devrait pouvoir s'attendre à ce que le pouvoir en face, qui est un des acteurs prenant parti donc à cette crise sociopolitique au Bénin, que le pouvoir, disais-je, puisse saisir la pêche tendue par l'Église catholique pour enclencher la discussion et espérer qu'on puisse décanter la situation. Mais nous avons constaté que tout au long du processus de ce dialogue que l'Église a initié, on a seulement fait le tour des partis politiques, non seulement du camp de la mouvance, mais également du camp de l'opposition. Et j'ai cru entendre que dernièrement, le parti Union Progressiste, on a reçu dernièrement le député démissionnaire de la 8e législature, Abraham Zizilouro, qui disait que oui, mais lorsque le clergé les a rencontrés, eux, en tant que parti de la mouvance, eux, ils ont dit, mais eux, ils n'ont pas de problème. Retournez demander à ceux qui estiment être lésés, c'est quoi le problème exactement, et puis on pourra trouver les portes de sortie. C'est un signe déjà pour moi d'un problème ou bien d'une crise de prédisposition d'esprit à participer au dialogue. C'est de cette façon que moi, je vois la situation. Et je ne suis pas du tout étonné que dans la suite, dans le prolongement des événements, que les deux lettres envoyées par l'Église catholique soient restées sans suite. Est-ce qu'on pourrait parler d'indifférence? Je ne saurais le dire, puisque, encore une fois, Vigile l'a rappelé, un média en ligne qui estimerait que c'est lié à l'agenda donc, du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas une réponse diplomatique qu'on avait? Non, on pourrait l'analyser sous ce prisme-là. Je suis parfaitement d'accord avec vous. On pourrait faire des élucubrations, penser que moi, est-ce que le chef de l'État, est-ce qu'il est vraiment disposé à recevoir l'Église catholique? Est-ce qu'il est effectivement au pays? Est-ce que lui-même, il soupçonne l'Église catholique d'être déjà proche d'une certaine obédience politique? Actuellement, le gouvernement est en congé de les... Ils sont en vacances, donc on pourrait encore une fois évoquer cette raison. Mais je veux, s'il vous plaît, si vous permettez, vacances. Qu'ils vous souviennent hein, que lors d'une rencontre du chef de l'État avec le clergé, il lui avait déjà dit qu'il relayait les rumeurs. Le chef de l'État avait déjà dit ça en face au clergé pour dire mais ils ont l'habitude de relayer les rumeurs. Je crois que c'est en ce moment-là où ils ne s'entendaient pas, où l'Église dit il y a crise, le président de la République dit qu'il n'y a pas crise. Oui, donc tous ces éléments combinés renvoient à un seul point. Ce qui est aujourd'hui apparent et on ne peut pas donc irréfutable, c'est qu'aujourd'hui il y a une crise entre le pouvoir politique et l'Église catholique. Quoique cette Église catholique, par le passé, se soit donc illustrée dans les règlements de conflits, je pense en 90, où cette Église-là a été donc le poumon là, central qui nous a aidé à sortir de 17 ans de dictature. Aujourd'hui, il y a une crise apparente. Je me rappelle... cette sortie de Monseigneur, de l'ancien archevêque de Cotonou, Monseigneur Antoine Gaël, qui disait que chaque fois on dit qu'il y a croissance économique, on parle de 6%, on parle de 7%, mais que son anniversaire. Et que mais dans les plats des Béninois, on ne remarquait pas un changement significatif dans le vécu quotidien des populations. Vous avez vu que dans le camp du pouvoir, ça a été mal interprété par rapport à ce que ce type de discours est plus proche des discours donc tenus jusqu'ici par les opposants. Donc, aujourd'hui, c'est comme si nous sommes dans, à la fois, pour moi, une crise de confiance entre le palais et l'Église catholique, entre la perception, mais la conception qu'on se fait même de la crise ou bien de la situation que nous vivons. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce qu'actuellement, le pouvoir reconnaît qu'il y a crise? Si on ne s'entend pas sur cette reconnaissance, l'Église catholique a toutes les chances d'échouer dans sa médiation. Lorsque l'Église dit qu'il y a crise et qu'il faut quand même enclencher des discussions avec les partis engagés dans la crise et qu'en face, l'État central, incarné par Patrice Talon, refuse donc d'admettre qu'il y a crise, de quoi on veut parler?
De quoi veut-on discuter? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, quand moi, je voyais un peu de loin cette volonté manifeste s'exprimer, quand même par l'Église catholique, je me disais, mais j'attends de voir jusqu'où cette Église ira, parce qu'à partir du moment où les acteurs, qui aujourd'hui ont eu 83 députés à l'Assemblée, ont réussi à imposer, pour reprendre l'expression d'un journal en ligne, qui ont réussi à imposer un calme plat dans le pays, Vigile l'a rappelé tout à l'heure, si ce n'est pas cette dernière sortie d'hier, ou bien d'avant-hier, des RCBE, plus rien. En face, il n'y a plus rien. Donc, dans le cadre du pouvoir, dans l'esprit même du pouvoir, c'est-à-dire que le plan qui a été concocté, qui a été conçu, a été mis en œuvre, et on a quand même su trouver les stratégies pour contenir les éventuelles rébellions qui auraient voulu donc s'exprimer. Et en face, il n'y a plus rien. Ceux qui pouvaient déranger sont donc soit en prison ou soit en exil. Et on veut parler de quel dialogue pour aboutir à quel résultat. Alphonse, voilà. Moïsoulet, vous avez estimé que le clergé catholique, la conférence épiscopale du Bénin a pris parti. C'est ce que vous avez estimé. Je me rappelle, le professeur Gandolon. Oui, Albert Gandolon. Albert Gandolon, qui sur ce plateau en voulait, lui, à l'Église. Ben, quand l'Église initiait cette médiation, pour dire, ben, l'Église, c'est d'abord dire la vérité. Est-ce que elle n'est pas restée dans cette logique depuis toujours, depuis Boni Yayi, à chaque fois quand il y a une situation sociopolitique, se prononcer, dire ce qu'elle pense, également autant de talent. Elle a eu à dire, un tant soit peu, ce qu'elle pensait, avant de nuancer par la suite quand la médiation, cette intention a commencé par sortir. Est-ce qu'il faut dire qu'elle a eu à prendre parti l'Église catholique? Voilà, vous avez touché le point sensible. En face, on n'aime pas la vérité. En face, on n'aime pas cette vérité de l'Église catholique. Vous allez voir, quand vous voyez autour, dans les arcanes du pouvoir, il y a beaucoup qui sont des églises révélées. Et vous savez bien comment ça se passe là-bas. Il y a dans les arcanes du pouvoir, tout ce qui provient des églises révélées qui pratiquement ne dénoncent, n'ont jamais dénoncé depuis le régime Boulignan, n'ont jamais dénoncé les dérives. Je mets quiconque au défi de me dire que les églises révélées, en ce temps, nous connaissions, ceux qui étaient autour du pouvoir, ils n'ont jamais dénoncé les dérives. Mais l'Église catholique a toujours dénoncé. Et quand ça se passe comme ça, l'Église catholique devait prendre en considération celui qu'on a en face de soi. Et ne plus dire la vérité? Non. L'Église catholique a dit la vérité. J'ai toujours admiré la bravoure de ces prêtres-là qui vous disent la vérité. Vous pouvez vous fâcher, mais demain vous allez reconnaître qu'ils vous ont dit la vérité. Mais malheureusement, on leur reproche que dans leur vérité, c'est une vérité de parti pris pour des gens, quand bien même ce qui est dit est vrai. Donc nous sommes sur un terrain où on ne veut pas de la médiation de l'Église catholique. On n'en veut pas, ce n'est pas. On n'avait pas besoin de justifier pourquoi le palais n'a pas reçu l'Église catholique. On n'avait pas besoin de nous dire que c'est un problème de calendrier. Attention, l'Église catholique, ce ne sont pas les journalistes de Soleil Fin qui vont demander audience au chef de l'État. On va dire, ben, il n'est pas disponible. Attention, l'Église catholique tape à la porte, on doit trouver. Donc on va me dire que depuis juillet que l'Église a écrit la première lettre, on n'a pas encore... Depuis le 28 juin, on n'a pas encore trouvé un créneau pour recevoir l'Église catholique. On n'en veut pas. On ne veut pas de la médiation de l'Église catholique. Parce que, écoutez, le professeur Région Gonville, tout le monde sait que c'est un soutien du chef de l'État. Et quand j'ai suivi l'émission qu'il a faite sur cette radio, contrairement au titre de l'émission, ce n'est pas sa langue de bois. Il a fait la langue de bois. Il n'a pas dit clairement ce qu'il devait dire. Est-ce que, bon, pour en revenir à cette intervention, à cette déclaration de Roger Gbeyomie, faut-il se limiter à une ouverture de porte, une prétendue ouverture des portes d'une paroisse pour... Mais c'est pourquoi j'ai dit... Pour généraliser à toute l'Église catholique... Tout à l'heure, je vous ai dit... Parce que Sébastien Jamais à Javon, en quittant le tribunal, est allé à Saint-Michel de Cotonou. Non, vous savez... Le pape qui aurait donné l'autorisation qu'on lui ouvre le pouvoir, le chef d'État lui-même ne le dirait jamais. Encore que le soir là, pour rappel, Sébastien Jamais à Javon aurait voulu qu'il y ait une messe. Très bien. Le presbytère a dit pas question qu'il y ait messe cette nuit-là.
Virgile l'a rappelé. Une messe en bonne et due forme. Et puis, le professeur Roger Bienville n'est pas le seul à le dire. Beaucoup de caciques du régime le disent. Les gens me l'ont dit encore dans cette journée. Donc, le chef de l'État ne le dira jamais. Le gouvernement, de façon officielle, ne le dira. Mais les affidés du régime, les caciques du régime, vous diront que c'est ça. Que c'est parce que. Sinon, qu'est-ce que ça a à voir qu'un fidèle demande à faire une messe à 23h30? Bon, ce n'est pas un fidèle comme tous les autres fidèles. Même si c'est pas. Moi. Devant Dieu, tous les fidèles sont égaux. Devant Dieu, c'est tellement. Ils sont égaux. Donc, c'est ça. Donc, devant les hommes, non. On s'accroche à ce détail-là pour estimer que les dés sont pipés à l'avance. Mais on oublie de tenir compte du contenu. Ce que dénonce l'Église catholique. Ce que le monsieur avait. Que vous souvenez que quand il avait fait cette messe, il a dénoncé. Au lendemain. Il y avait une salle d'applaudissements ce jour-là. Il réclamait entre autres dis, comme cadeau d'anniversaire. Comme tout porte à croire qu'on ne veut pas de cette médiation. On veut choisir soi-même ses médiateurs. On veut soi-même être jugé parti. On veut. Parce que quand on dit nous n'avons pas de problème, allez voir ceux qui ont des problèmes. C'est-à-dire que pour nous, on est prêts. Eux, ils ne sont pas prêts. Donc aujourd'hui, et vous savez que l'Église catholique, hein, Elle commence, elle ne s'arrête pas. Donc, on n'en veut pas. Sinon, si le chef de l'État veut rencontrer, même je suis convaincu que si le chef de l'État demande à rencontrer le clergé à 6h un dimanche, ils iront. Parce que c'est l'intérêt national. Mais on n'en veut pas. Et ils ont compris. L'Église catholique a compris depuis. Mais ils étaient en train de jouer leur rôle. Ils étaient en train de forcer pour qu'on ne dise pas demain quand il y avait eu injustice. Parce que l'Église a pour rôle aussi, a pour mission de dénoncer les injustices. De rétablir la vérité si l'Église n'est pas capable de dire la vérité. Parce qu'il y a des églises qui ne diront jamais la vérité à l'homme politique. Quand vous mangez dans la main d'un homme politique, vous n'avez même pas le culot, excusez l'expression, de dire ce que tu fais. Comme dit mon frère aîné, tout le monde il est content, tout le monde il est beau. Même si on danse mal, on va dire qu'on danse bien. Même quand on est l'incarnation de la laideur, on vous dira que vous êtes beau. Parce qu'on mange dans votre main. Mais l'Église catholique, au-delà de cela, dit la vérité. Mais malheureusement, tout le monde n'aime pas la vérité. Virgile Arancet, je ne sais pas si je dois faire l'inventaire des autorités morales que nous avons au Bénin. Quelle autorité ne serait pas intervenue d'une manière ou d'une autre dans cette crise que nous avons connue jusqu'ici? Et je ne sais pas si une seule d'entre elles a été écoutée par le président de la République. En tout cas, toutes les voix qui demandent à ce qu'on aille au dialogue, je ne sais pas si l'une d'entre elles a été écoutée comme cela se doit jusqu'ici. Est-ce que le président de la République ne se met pas à dos toutes ces forces-là, du coup? Non, je pense qu'il vous a manqué quelques pas donc, de ces entités religieuses-là. Si vous avez suivi l'illustration, le théâtre de la manifestation même, c'était ces législatives-là. Et la scène, c'était la télévision nationale. Qui est pour le chef de l'État va à la télévision nationale, fait une déclaration et invite, n'est-ce pas, les Béninois à aller voter. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Absolument. C'était cela. Je ne vais pas citer les entités religieuses, mais je me souviens clairement, par exemple. On ne va pas en citer. Si on ne va pas en citer. Non, on va pas en citer. D'accord, je fais autre chose. Je passe au chevet. On ne va pas en poser. Il n'en a pas cité. En tout cas, je n'en cite pas, mais j'en élimine. Toutes ces entités étaient passées, sauf l'Église catholique. Moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé l'Église catholique. Et ça, quand vous lisez la psychologie, n'est-ce pas, des acteurs en présence, vous comprenez que ne pas le faire, pour eux, c'est prendre parti, n'est-ce pas, pour les troubleurs de la République. Car c'est de cela qu'il s'agit dans la tête, dans la psychologie des acteurs du pouvoir, c'est que tout va très bien, et vous le répétez, tout va très bien, les partis de l'opposition n'ont pas dû coller à la loi, et la loi les a frappés, la vie continue, le chemin continue, et donc on en est là. Il faut pouvoir prendre les choses de cette manière-là. Si vous ne les prenez pas de cette manière, je parle du pouvoir, eh bien, c'est comme si vous vous mettez en soutien, n'est-ce pas? Et qui n'est pas avec moi et contre moi. Exactement. C'est exactement ce qui se joue. Et puis, il a le passé qui renseigne. Il nous a dit, moi je n'en sais rien. Mais il nous a dit
Quand vous souriez comme ça, je commence à avoir quelque chose qui est une... Oui, non, attendez. C'est des histoires. Je vous fais confiance. Non, rassurez-vous. C'est pas mauvais de donner de quête à l'Église. C'est pas mauvais d'être généreux avec les acteurs de l'Église. Il paraît qu'ils étaient tous généreux avec les acteurs de l'Église. Bon, on peut tous avoir. Le don de l'Église. Encore que l'Église, faut pas, c'est pas trahir des secrets. L'Église, surtout catholique, intervient dans, même dans le bras de fer, selon certaines informations. Boni Yahi, Patrice Talon, bien sûr. L'Église catholique. On se rappelle encore l'Église catholique était par là aussi. Pour se réconcilier les deux hommes. On se rappelle encore de cette lettre, non? On parle de don de libéralité. Donc, ça a toujours été ainsi. Mais ici, je ne sais pas qui serait le champion de la générosité, mais on n'est pas généreux de la même manière. Et donc, cette générosité pour certains, enfin, peut-être qu'ils n'ont pas tort, ils se disent, s'il a ce lien de générosité, c'est qu'il a un lien de dépendance et une certaine solidarité naturelle. Et donc, c'est sans doute cela qui s'exprime. Et vous comprenez que si la générosité n'est plus au pays, bon, je ne sais pas, vous me faites toujours confiance, je peux continuer. D'accord. Si la générosité n'est plus au pays, c'est que forcément, il a sécheresse quelque part. Et donc, naturellement, oui, ceux qui... Encore que la générosité ne connaît pas de frontières. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. De Paris, on peut être généreux. moi, je ne sais pas. Donc, Paris, on peut continuer à être généreux. Hein. Bon, du Canada donc, aussi, on peut être généreux. Donc, fondamentalement, c'est ce que se disent les acteurs du pouvoir. C'est le lien qu'ils font. Et l'autre chose, bon, je ne connais pas très bien les évêques du Bénin particulièrement, je connais un peu quelques prêtres. Mais il faut avouer qu'ils n'ont pas, ils n'ont plus de charisme comme les Monseigneur Isidore de Souza, Adimou, Ganti. Ils n'ont plus de charisme comme ceux-là aujourd'hui. C'est vrai aussi que... Bon, ça c'est lié à leur personnalité. Hein. Oui, c'est lié à leur personnalité, c'est lié à leur histoire. Et... Bon, voilà. C'est vrai aussi que même si c'était le cas, peut-être, le chef de l'État, il a dit devant les rois, et ça circule encore, tout fraîchement, ils ont remis ça sur les réseaux sociaux. Rien ne m'effraie. Que lui, il n'a pas peur de dire au roi, bon, quand même, on a dit les rois. Hein. Vous savez que rien ne m'effraie. Oui, vous savez, donc, il tue d'abord, peut-être, si vous pensez m'effrayer, je suis au-dessus de vous, voilà, rien ne m'effraie. Et continue en disant que même dans une maison, un enfant peut arriver à des moments donnés. Exactement. Si l'enfant grandit, il peut imposer la règle à son père dans la cour. Donc, même s'ils avaient fait preuve de plus de charisme, peut-être que même devant eux, non, certainement devant eux, ils n'auraient pas non plus. Donc, Alphonse Mouy l'a dit à cette rencontre, à cette fameuse rencontre où on discutait de il y a crise ou il n'y a pas crise, il n'a pas caché ses mots. Hein, mais bien sûr, mais tout le problème est là. J'avais déjà dit plusieurs fois ici, est-ce que cette médiation qu'a initiée l'Église catholique, est-ce que cette médiation irait au bout? Est-ce qu'ils ont pris l'avis du chef de l'État? Parce que si vous n'avez pas pris l'avis du chef de l'État, un avis qui est capital, vous ne pouvez pas faire votre chemin. Vous ne pouvez pas faire votre chemin. Car on ne peut plus, n'est-ce pas, résoudre le problème aujourd'hui au Bénin, le problème qui est posé. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Résoudre le problème sans décision politique. Je ne vous arrête pas. Lorsqu'on est sage dans une maison, lorsqu'on est sage dans un village, et on constate qu'il y a des enfants de ce village-là qui se battent, et on se dit, mais il faut qu'on aille les réconcilier. Il faut qu'on les ramène ensemble. Est-ce qu'on a besoin d'autorisation particulière d'une quelconque des parties avant d'intervenir? J'écoute vous, qu'est-ce que vous avez contre l'autre? Je viens de vous écouter, donc je vais avoir le podium. Voilà ce qui... Vous venez toquer à ma porte, je n'ouvre pas, hein, parce que je ne vous ai pas invité. C'est aussi simple que ça. Vous toquez à ma porte pour dire, tonton, je vais vous parler. Je n'ouvre pas parce que je ne vous ai pas invité. Et mieux, je vais prendre l'illustration de l'échelle d'une maison, d'une famille. Si vous... Le chef de famille n'accepte pas votre médiation. Oui, il a renvoyé certains enfants dehors, il a chassé la femme, il a fait ceci. Et que vous revenez, s'il n'est pas prêt de parler avec vous, si pour lui, bon, je vais dire un mot grave, mais bon, c'est juste ça. Si ces déchets humains-là n'ont de place qu'au dehors pour lui, et qu'il a fini de régler son problème, il ne vous écoutera pas. Il a fini de régler, vous voulez
avoir ce culot de ramener des déchets à sa porte encore. Non, lui, il a fini de régler ce problème-là. Là, vous parlez d'une maison. Mais si, bien sûr, son avis est important. Qui que vous soyez, vous ne pouvez pas lui imposer de reprendre son épouse, de reprendre tel enfant. Vous ne pouvez pas. Vrai ou faux? Et c'est encore plus compliqué quand c'est l'État. Quand c'est l'État, quand c'est à l'échelle d'un pays, le oui. chef de l'État, n'oubliez pas qu'il tient sa légitimité des élections. Mais est-ce que cette légitimité donne droit à Patrice Talon de refuser des actes de l'autorité, dit de l'autorité par exemple à d'autres Béninois? Parce qu'il faut également faire la nuance. Si je suis Béninois, même à votre enfant, vous ne pouvez pas refuser cela. Je suis Béninois et parce que vous êtes président de la République, vous demandez qu'on ne me délivre pas mon acte de naissance. Mais ça ne va pas se taire comme une épouse irait se taire quand l'époux le renverrait. Bon, d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Maintenant, vous allez faire quoi, comme il dirait? Non. Vous allez faire quoi? J'allais vous poser la question, ou à Joël, ou le dire. Quand dans ces conditions, je parle de sages et de village, tous les sages du village vous parlent et vous ne voulez pas les écouter. Et ils se rendent de leur côté. Si par malheur vous arrive, est-ce que vous trouverez de soutien? Quand vous allez commencer par crier au secours, quelqu'un est en train de cambrioler dans ma maison, au secours, quelqu'un est en train de brûler ma maison. Est-ce que ces sages-là diront en ce moment-là, bien, on va à votre secours, bien, on se tait pour dire. Comme on le dirait chez nous là. Je suis d'accord avec vous. Quand est venu le soir, tu as perdu de la vie. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais si vous suivez bien, encore une fois, la psychologie. La psychologie du chef de l'État. Le chef de l'État, malgré les hésitations possibles qu'il a, il est plus en assurance. Il sait qu'il a la situation en main. Et dans son projet, il n'y a pas de place pour l'échec aujourd'hui. Donc, il tient les choses et entend conduire ainsi jusqu'en 2021. Mais ce que vous dites, c'est pas sûr dans une république. Je ne dirais pas dans un foyer, parce que dans un foyer, l'homme, il reste maître de son foyer. Quand il y a divorce, il dit « je ne veux plus de vous », c'est qu'il ne veut plus de vous. Femme, vous partez, il n'y a pas de protestation. Mais dans un pays où vous êtes président de la République, et puis, il y a des situations de mécontentement entre les citoyens du pays et vous, président de la République, vous qui avez un mandat, et qu'il y a des gens qui s'invitent à la réconciliation, que vous n'écoutez pas. Si demain, vous êtes en situation difficile et que vous avez besoin qu'on vienne vous aider. Parce qu'on parle du Bénin. On ne parle pas également des pays de la sous-région où des chefs d'État interviennent en vain, la CEDEAO et puis tout ce qui va avec. Tout ce défilé-là. Et puis bon, c'est le statu quo. Non, je ne ferai pas une analyse qui soit quand même éloigné de ce que Vigil vous dit. Et c'est pourquoi je ne serai pas tout à fait d'accord avec vous. Quand nous quittons l'échelle des familles, où encore il y a encore plus de souplesse pour convaincre le père de famille, le chef de famille, quand nous rentrons dans le fonctionnement de l'État, c'est encore plus complexe. C'est plus complexe. Parce que interrogeons déjà quels sont les fondements même d'un État. C'est quoi les fondations même d'un pays? Aujourd'hui, Vigil vous l'a rappelé tout à l'heure rapidement, le chef de l'État, l'État, par essence, est inébranlable. Donc, c'est le symbole même de la puissance. Et l'État qui est là aujourd'hui, qui est symbolisé par le chef de l'État, Patrice Talon, qui a l'impression que... Qui n'est pas souverain. Mais écoutez, pour paraphraser même Vigil... Même si dans notre contexte, vous le trouvez dans une position de souverain. Non, pour paraphraser Vigil, vous savez... peut-être que nous marchons depuis quelques années sur la tête, on ne marche plus sur les pieds. Donc, arrêtez votre histoire de dire... la souveraineté dont vous parlez... A changé de camp. La souveraineté dont vous parlez, ça, c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution, on vous dit que le peuple, c'est le seul souverain. La souveraineté du peuple s'exerce par quel mécanisme? Avec les élections. Mais le 28 avril dernier, est-ce que cette souveraineté a été exprimée? La réponse est connue. Aujourd'hui, on a des députés qui ont été élus à moins de 5% ou bien quelques 27% selon donc la Cour. Donc ce débat continue. Mais aujourd'hui, celui qui est au pouvoir, qui a été élu depuis 2016, qui tient donc les rênes du pouvoir, s'il estime qu'il n'a pas besoin de votre médiation, il peut donc fermer les portes, comme disait tout à l'heure Moïse, et attendre calmement que la situation confuse dont vous parlez lui arrive, que maintenant les sages de ce village-là soient également indifférents. Mais aujourd'hui, tout marche. Tout roule. Et par analogie, prenez l'exemple du Soudan. Si en week-end, le conseil souverain était finalement installé et les civils ont pu trouver la majorité donc, des places demandées et que le calme est revenu au pays, c'est parce que sur des mois et des mois, le pays était agité.
Le pouvoir, en ce moment, qui était tenu par les militaires, la junte militaire au pouvoir, était ébranlé. Donc, dans le contexte béninois, on n'a pas ça. Donc, de façon générale, c'est quand le pouvoir sent que... C'est une question de rapport voilà, de force. Voilà. C'est une question de rapport de force. Quand le pouvoir sent que, voilà, j'ai également le feu aux fesses, les adversaires qui sont en face agissent donc, actionnent des leviers qui peuvent quand même faire mal. Que ce pouvoir-là puisse, à un moment donné, s'assouplir. Mais aujourd'hui, le calme apparent que nous observons, je ne sais pas si c'est apparent, mais c'est un calme définitif, puisque je n'entends plus, je ne vois plus rien en face. Ce calme-là conforte plus cette forteresse donc, du pouvoir, Patrice Talon, qui pense qu'il peut continuer par évoluer. Et malheureusement, encore une fois, je ne vois pas d'issue pour cette crise-là. Le chef de l'État aujourd'hui, il peut diriger le pays, si Dieu le veut, avec les lois que nous avons depuis là adoptées, qui existaient avant son arrivée. Il va lui-même en faire voter donc d'autres parlements. Si on veut réviser la Constitution demain, il suffit donc de demander aux parlementaires de commencer par mener ce débat et rien ne va se passer. Comme on le dira, les réformes seront opérées et rien ne se passera. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, nous sommes face à une crise donc liée aux institutions de l'État, une crise liée aux personnes qui incarnent ces institutions-là même, et également, surtout, une crise qui est liée au monde religieux, aux autorités morales, aux autorités donc traditionnelles. Parce que, quand Maurice tout à l'heure disait que les religieux ont dit la vérité, combien de vérités ont-ils dit ces religieux-là? Non, on a vu, j'ai dit l'Église catholique. On a vu, même personnellement sur la question, mais je vais vous dire ce que je pense. Depuis que la crise a commencé, c'est vrai que Vigile l'a jeté tout à l'heure, des fleurs de laurier, mais moi je pense que l'Église catholique un peu, pour ma part, a fait l'effort de ne pas s'embourber comme les autres églises, les autres confessions religieuses qui soient intervenues, mais n'a pas effectivement pris de la hauteur pour incarner ce qu'elle devait incarner au temps fort de la crise. Et c'est peut-être aujourd'hui cela qui joue contre elle en tant qu'Église, qui tente de régler le problème. Le carême dont on parle, il faut travailler pour l'avoir. On ne veut pas demander à tous les évêques aujourd'hui d'avoir le même parcours que leurs prédécesseurs, mais il faut travailler donc pour acquérir ce statut et pouvoir taper du poing sur la table quand il faut le faire. Aujourd'hui, moi je pense que quand moi je suis devant ma télévision et que je regarde des têtes couronnées qui viennent, qui lisent des dossiers, des prophètes qui viennent, qui lisent des discours, qui disent « soutenons le chef de l'État, les réformes sont bien conçues ». Et je vois d'autres religions qui font des communiqués alambiqués pratiquement, confus, et qui tendent, c'est comme le cœur, qui tendent à soutenir quelqu'un. Quand on a ça, on ne peut qu'aller au palais de la République pour que le chef de l'État puisse leur dire, dans la cour même là, à un moment donné, l'enfant peut grandir et imposer les règles, même à son papa. Il peut dire également à ces religieux-là que rien ne les ferait, parce que justement, vous avez travaillé tout le temps dans la compromission, vous avez vendu votre pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vous l'apprends pas. Quand vous êtes dans un pays, le pouvoir qui doit être embrigadé, c'est le pouvoir-là qui doit se battre pour s'échapper. Mais malheureusement, ce pouvoir qu'on veut embrigader court même se jeter dans les bras donc, de celui qui veut les embrigader, comme cette épouse, la nuit d'une noce, qui se jette dans les bras de son époux. Donc moi, je pense que véritablement dans notre pays, comme je le dis depuis longtemps, l'Église catholique a subi cette humiliation. Ça ne m'étonne pas. Je ne vois pas d'issue à cette médiation non plus, mais je ne vois plus d'ailleurs de médiateur au Bénin. Je ne vois pas de médiateur encore au Bénin. Qui va y voir l'international parce non, que... mais je vous dis, mais même à l'international, vous avez vu le chef de l'État, il a joué sur le temps. L'usure du temps lui a donné raison. C'est-à-dire que ça a été magnifiquement exécuté qu'il n'y a même pas de fissure. Il n'y a même pas de fissure pour que les opposants puissent rebondir. Je ne vois pas l'issue. À l'international, avec la CEDEAO, le communiqué, vous avez vu le communiqué? Finalement, on a fait dans la complaisance, on a appelé les gens au dialogue. On revient au pays, premier acte fort, pour calmer encore les gens, cette rencontre à laquelle faisait allusion Vigile Avancé avec des partis qui seraient en difficulté avec l'obtention de leur certificat de mise en conformité. Je me dis, à partir de cette rencontre-là, le chef de l'État avait déjà réglé un problème d'image. Il fallait envoyer un signal fort au monde entier pour dire que oui, vous avez dit qu'il y a crise, il faut discuter. Moi, je discute désormais. Mais depuis que la rencontre a eu lieu, les partis de l'opposition ont-ils eu leur certificat de mise en conformité? La réponse est connue. Donc, moi, je pense que, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas,
le chef de l'État, Patrice Talon, avec son équipe, ils se sont enfermés en chambre, ils ont conçu un plan de gestion du pays et ils déroulent ce plan. Et les opposants se font chaque fois surprendre, même le peuple dont vous parlez se fait surprendre. Et je ne vois pas pour le moment comment il faut arrêter dans, cette machine dans ce à voile. Alphonse Moussoudé, il faut payer simplement pour le président de la République pour que tout aille pour le mieux, que demain qu'il n'y ait pas un pépin qui nécessite qu'il fasse appel au secours à ses autorités morales aujourd'hui humiliées. Vous savez, dans le code pénal, il est dit que les religieux n'ont plus le droit de parler de politique dans leur sermon. Ça, c'est vrai. Vous savez très bien que quand on notait les dérives du régime de Yahya dans les églises, on se donnait le culot de critiquer. Étant donné que c'était des canaux utilisés par ceux qui combattaient le régime Yahya, une fois qu'ils sont arrivés... Mais ce, c'est respecté. Moi, j'entends, hein, les gens... Non, ce n'est pas encore le moment de... Est-ce que vous pensez, connaissant les autorités religieuses, qu'elles soient catholiques ou pas, que c'est seulement l'hôtel qu'elle pourra faire? Non, ça. Vous savez... C'est parfois quand on descend de l'hôtel, on rentre. Oui. Vous savez, dans la vie, il y a des courageux, il y a des poltrons. Ça avait chauffé à l'époque, entre l'Allemagne et même Rome. Je crois que Adolf Hitler avait échappé à un assassinat. Il y a que des gens sont proches du chef de l'État. Ils ont l'écoute du chef de l'État. Mais ils n'ont pas... Ils n'ont rien dans le ventre pour boire du chef de l'État. Quand vous faites comme ceci, là, c'est ceux qui sont à la télé qui vont vous voir. Oui, c'est que ils sont proches du chef de l'État. Ils ont l'écoute du chef de l'État. Mais ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas l'audace de dire au chef, c'est pas bon. Ils n'ont pas le courage de dire au chef, on peut faire autrement. Ils disent, c'est bon, foncez. Vous voyez? Ils n'ont pas le courage ou bien c'est question d'intérêt? Non. Ils connaissent la réponse. Vous savez, vous rentrez dans certaines maisons, personne n'a le courage de regarder le visage de papa. Hein. Même moi, pour lui demander 50 francs, on attache le doigt. J'en connais un, je ne donne pas son nom, qui était allé rencontrer le président de la République, l'actuel. Tout sage, tout respecté, tout avec ce titre ronflant. Mais qui est revenu quand vous l'avez rencontré, quand on l'a rencontré, on l'a abordé, je ne vous dis pas ce qui a été dit. Et pourtant, quand il voit le président de la République, c'est la balèque, et puis tout ce qui vous va savez, avec, donc il y a que dans l'entourage, il y a des gens qui donnent des conseils. Je reviens sur les événements du 1er mai, du 2 mai. Certainement, quelqu'un a dit au chef, si on tue 1, 2, 3, ça va s'arrêter. Est-ce que c'est quelqu'un? Non, j'ai dit certainement que quelqu'un a dit... Probablement. Probablement, on n'a qu'à tuer 1, 2 ou 3. Vous allez voir que ça va s'arrêter. Quand on fait... Depuis là, est-ce qu'il y a encore de mouvement? C'est comme ça. Il y a toujours des gens qui même vous donnent des idées auxquelles vous n'avez pas pensé. Mais les conseils ne sont pas les payants, comme on vous dit. Ah non. Vous n'êtes pas là. Et ça fait que dans cette crise, il y a des gens qui trouvent leur intérêt. Ils sont à l'abri du besoin. Ça profite à ceux-là. Et ceux à qui la crise profite tous les jours réfléchissent pour trouver de nouvelles stratégies pour évoluer. Et quand on vous trouve des stratégies, vous constatez que, bon, on a dit, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, prenez de, arrêter interministériel pour dire, tant, plus de papier. On s'est arrêté. On a dit, le 24, il y aura évaluation diagnostique. Si quelqu'un n'y va pas, il sera radié. On a commencé par dire dans les journaux que chacun ait sauvé sa tête. Des hommes quand même qui peuvent parler, on va écouter, on dit que chacun ait sauvé sa tête. Si tu ne vas pas te sauver ta tête, on te met dehors. D'autres ont même payé les TD aux enseignants pour qu'ils aillent se recycler parce que dans leur milieu, ils veulent que... C'est comme ça que ça se passe. Parce que lui, il veut montrer au chef que dans son milieu, dans son fief, il maîtrise la population pour sauvegarder ses intérêts, pour avoir toujours la porte ouverte auprès du chef de l'État. Chacun lui vend du vin ou bien chacun lui vend du lait. En tout cas, nous avons tous intérêt que le président de la République réussisse. Donc je pense que tout n'est pas perdu. Hein. Il a l'intelligence de cette réponse qu'apporte le clergé, qui dit, le clergé qui d'habitude est plutôt silencieux, qui donne quand même cette réponse-là de toutes les démarches faites sans réponse, et qui dit qu'en octobre, il se retrouve à Paracou sur le même sujet. Donc, on donne au chef de l'État
et l'opinion publique internationale. À témoin, on donne au chef de l'État le temps de répondre officiellement. Je crois que la balle est désormais bottée dans son camp. Et ce, il a un mois et demi pour. Ça, c'était traditionnel. À chaque fois que la conférence épiscopale du Bénin se réunit, juste après, elle est en audience. Mais il me semble que le clergé, par ce tact-là, voulait exprimer sa frustration. À la fois informer le peuple de l'immigration, voilà, la pression sur le chef de l'État. Merci voilà. Joël Tchogbe, merci Virgile Avancé, merci Alphonse Moïse-Soulé pour le débat que nous avons eu à faire ensemble. Merci à Georges Bonneau pour la mise en œuvre, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention sur Soleil FM et sur CKTV. Je vous dis merci.